Je sais pas vous les amis, mais j'ai l'impression, et ce n'est que mon avis personnel, que depuis le cas Leni Euro, qu'on a totalement raté puisqu'on a eu un péché d'orgueil en étant sûr qu'on allait recruter le jeune, j'ai l'impression que depuis ça, tout va de travers côté Real Madrid. Le Perez fait n'importe quoi au niveau du mercato, c'est-à-dire qu'il était obsédé par le K Mbappé, il en a oublié d'équilibrer l'équipe à d'autres postes. On a Ancelotti qui ne trouve pas la formule. On a les stars qui ne s'entraident pas, hein, si je puis dire et euh, voilà on a le classico on a les blessures à répétition il y a que des mauvaises nouvelles il y a cette histoire de ballon d'or et là voilà qu'il y a l'Arabie saoudite on en avait déjà parlé cet été j'avais d'ailleurs utilisé je crois la même miniature mais l'Arabie saoudite va tenter maintenant que Vinicius est malheureux bah, de sauter sur l'occasion de le convaincre bah, de rejoindre leur projet faramineux on parle d'une offre qui n'a jamais été vue dans l'histoire du foot et le Brésilien bah il se rend compte que bah, il a déjà quasiment tout gagné avec Madrid, il lui manque ce ballon d'or qu'il ne gagnera sans doute jamais, peut-être, et il a des rêves, des rêves pour son pays, et il serait peut-être enclin à rejoindre l'Arabie Saoudite, en tout cas, ouais, c'est une nouvelle bombe côté Real, et c'est encore une mauvaise nouvelle, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que... On marche sur la tête en ce moment dans ce club et qu'on fait tous les mauvais choix possibles et les conséquences commencent à devenir dramatiques. Alors j'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme mais il faut en parler puisque c'est l'info majeure aujourd'hui. Côté Real Madrid, on parlera également des jeunes. Bah des jeunes, Arda Guller et, euh, et euh, Hendrik. Bah, Pérez commence à taper du poing sur la table. Pourquoi il ne joue plus bellingham, qui est coincé entre ben, la liberté qu'il souhaite offensivement et les tâches défensives qu'il doit effectuer. et on terminera par une info mercato, on voit tout ça les amis juste après le générique. Un Avec tout d'abord la presse et As qui parlent justement du cas Bellingham qui est dans un labyrinthe. Ce qu'ils veulent, qu veulent dire, c'est bah, il est coincé. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Mais on y reviendra parce que j'ai une séquence sur lui qui est assez intéressante. Tout d'abord, la bombe du jour. La bombe, c'est Foot Mercato qui la sort aujourd'hui. Alors, certains dont moi sont parfois un peu dur avec ce média, je trouve qu'ils sont un peu putaclic, mais parfois ils ont des bonnes informations, notamment le cas Mbappé, c'était les premiers à avoir dit qu'il avait signé un contrat et qu'il allait rejoindre le Real Madrid, ben, ça s'est avéré juste. Est-ce qu'ils ont juste sur ce cas-là J'en ai aucune idée, c'est le temps qui fera son œuvre et qui dira ben, si eux ils ont la bonne information ou pas. En tout cas, l'Arabie saoudite revient à la charge très sérieusement sur le cas Vinicius. La star aujourd'hui là-bas, c'est Neymar. Il joue pas, il est blessé, c'est un fiasco sur le plan sportif. Ils ont, ils ont besoin d'avoir une nouvelle tête d'affiche. Il faut savoir qual en Arabie Saoudite, c'est le Real Madrid en Europe, c'est le club phare. C'est pas le club où il y a Ronaldo Al-Nasser, c'est pas le club où il y a Benzema Al-Itihad, c'est al hilal le club. Euh, J'essaie de mettre l'accent. Donc le, le Brésilien s'est vu proposer un contrat de 4 ans avec un salaire qui n'a qui qui jamais été vu dans l'histoire du foot et le plus grave. C'est que autant le Brésilien avait un peu la tête qui tournait cet été, autant là il aurait ouvert la porte au départ pour 2026. Pourquoi 2026 C'est après la Coupe du Monde aux États-Unis. Et les Saoudiens ont été malins, puisque la nouvelle offensive a été faite à quel moment Juste après l'énorme déception que le Brésilien a vécue avec ce ballon d'or. On ne va pas y revenir dessus, mais grosso modo, tous ses équipementiers étaient au courant qu'il allait remporter le ballon d'or. Toute sa famille et ses amis devaient venir. On parlait d'une délégation de plus de 50 personnes. Imaginez-vous la désillusion. Pour moi, je, je vous l'avais dit, hein, il y avait deux scénarios possibles. Soit, euh, je un peu. Soit euh, il, 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 il se relève et il devient encore plus fort, un peu comme CR7. Soit il lâche complètement. Il se dit de toute façon, le Ballon d'Or, bah, je l'aurai jamais. C'était mon année ou jamais, un peu comme Londres, il y a, il y a quelques il y a quelques années, en 2023. Et euh, il se dit, voilà, moi je vais prendre les sous et je vais aider mon pays, le Brésil, à construire des centaines d'écoles puisque c'est son objectif prioritaire. Il a déjà il a, il a, euh, il a dit à plusieurs reprises dans les, dans les médias brésiliens. Le Real, ça je l'ai sorti hier, veut améliorer le contrat de Vinicius. On sait qu'il est un petit peu protégé par la direction, mais on sent qu'ils veulent faire ça pour vite le bloquer et vite le reconcentrer sur le projet Madrid. Le club a contacté les agents du Brésilien, mais... Et ça, ça m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille hier, souvenez-vous. Il a dit « Non, non, on n'est pas pressé de prolonger. Vous m'avez prolongé il y a quelques temps. On va prendre le temps, je vais réfléchir. » Pourquoi il fait ça Parce que Vinicius se pose des questions, tout simplement. Alors ça ne veut pas dire qu'il va signer en Arabie Saoudite, mais euh, que l'Arabie Saoudite revienne à la charge juste après le Ballon d'Or, bah, ça doit le faire réfléchir lui et son entourage. Si tout son entourage lui dit « Hé, hey, Vinicius, t'as gagné deux Ligues des Champions avec le Real. » T'as marqué deux fois en finale. T'as été meilleur buteur, meilleur joueur de la Champions League. Tu pourras rien faire de mieux. Et en plus, tu pourras jamais gagner le Ballon d'Or pour tout ce qu'on connaît, toutes les raisons qu'on avait évoquées. Et prends l'argent en Arabie la Saoudite, rince tout le monde, construis les écoles au Brésil et tu t'en fous. tu auras fait ta belle carrière. Ça peut le faire réfléchir si tout le monde commence à lui parasiter le cerveau. Et ce qui me fait peur, sinon, c'est que on voit qu'il y a une faille dans le truc côté Madrid. Et quand je vous disais en introduction que tu as l'impression que tout était en train de se déliter, si tu fais euh, une Marche arrière dans l'histoire du Real, tu as l'impression que tu as ce but de Ramos en 2014 euh, contre l'Atlético qui enclenche une série ultra positive où tu as gagné 6 Ligue des Champions en 10 ans. Et là, depuis ce que je disais, donc le cas Euro, il y a eu plein de problèmes. Tu n'as pas recruté Allende, tu as pris Mbappé. Mbappé déséquilibre le vestiaire parce qu'il n'est pas compatible sportivement avec Rodrigo et Vinicius. Vinicius, perd le ballon d'or, Bellingham n'est pas heureux, euh, Perez a fait des erreurs sur la programmation sportive parce qu'il y a des postes où il manque du monde et pas d'autres. Euh, Ancelotti trouve pas la formule. Donc tu as l'impression qu'on est en train de rentrer dans une phase plus dure, plus compliquée. Tu as le stade qui déconne à Madrid, c'est-à-dire qu'en termes de sonorisation, ça met le, le bazar dans la ville. Il euh, y a la mairie qui bloque certains trucs, c'est-à-dire que les concerts sont arrêtés jusqu'à hum, fin décembre, ce qui fait que c'est des revenus en moins pour le Real Madrid, qui avait beaucoup misé sur ce stade-là pour contrer les clubs État. Bref, ça fait plein de mauvaises nouvelles à gérer pour le Real, et il y en a une, évidemment, c'est Vinicius. Donc, il y a l'Arabie Saoudite pardon, qui s'est jetée sur l'opportunité Vinicius, et il y a également le PSG, puisque Nasser, UEFA, Real Madrid c'est la guerre et il voudrait se venger du cas Mbappé, et moi je pense que c'est ça, je ne suis pas complotiste, mais c'est ma théorie, j'ai le droit d'avoir des théories, mais je pense que l'UFA et le PSG ont tout fait pour saboter le Real Madrid et avaient pour objectif de les humilier en Mondiovision lors du Ballon d'or. Fort heureusement, le Real a été mis au courant, et là Ben Nasser il veut se venger du Real qui lui a piqué Mbappé libre de tout contrat. Donc il y a plusieurs clubs, il y, y a Chelsea également et Manchester United. Et ça aussi, tu ça aussi, Mbappé. Moi je l'aime bien, Mbappé, mais tu te rends compte que pour l'instant ça ne fonctionne pas. Donc, faut laisser le temps au temps, hein. Je prends l'exemple toujours de Zidane. Moi j'ai connu Zidane, euh, j'ai pas, pas sa photo là, mais je, je vous la montrerai. Quand il était au Girondin, j'avais son autographe, etc. Quand il signe au Real, catastrophique les six premiers mois. Et c'est qu'après qu'il a pris la mesure du club, ses repères, etc. Il faut savoir qu'Mbappé, il est seul dans sa ville, il n'y a pas sa famille, ça peut le perturber. Mais ça, c'est venu perturber Vinicius. Vinicius qui est surprotégé à la mode Ronaldo, mais est-ce que ça va suffire pour le conserver J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Et il euh, y en a plein qui m'envoient des messages sur Insta pour me dire hey Thomas, est-ce que Vinicius va rester ou pas J'en ai aucune idée, les amis. Moi, je vous dis, il y a un monde où il peut partir en Arabie Saoudite. Voilà, je vous le dis. Euh, maintenant, voilà, tout ça, toutes ces mauvaises nouvelles, ça a créé une union dans le vestiaire avec un esprit de revanche, l'humiliation lors du classico, cette injustice au ballon d'or. Vinicius a apprécié le soutien du club de ne pas aller à la cérémonie, a apprécié le fait que ses coéquipiers euh, le protègent et le soutiennent. Maintenant, j'attends une réponse. Voilà, ça c'est un énorme soutien encore à Vinicius. Je l'ai posté sur Instagram hier, c'est une euh, c'est un comment pas un tag, une fresque, pour dire une fresque qui a été euh, faite du côté de Bucarest en Roumanie. Voilà, le monde soutient Vinicius. Maintenant, est-ce que lui va vouloir rester Ça c'est une question. D'autant plus que comme j'ai dit, il va falloir réagir tu devais jouer à Valence au ce week-end. C'est pas plus mal qu'on n'y aille pas parce que c'est un bourbier de jouer à Mestaya. Ça aurait été peut-être très compliqué de rebondir de suite après le ballon d'or et la défaite contre le Barça. Là, ça te laisse du temps pour digérer tout ça et tu reprends contre le Milan. Et les joueurs veulent montrer, et c'est peut-être d'ailleurs le match parfait pour rebondir, que voilà, on attaque une nouvelle saison dans la saison. L'ambiance des séances d'entraînement est à la revanche. Le Real regarde l'AC Milan avec la colère dans les yeux. Voilà. Et je me dis que ça j'y crois, parce qu'ils euh, ils ont été piqués dans leur orgueil, par la défaite, par rapport à Vinicius, et là je pense qu'ils sont en mode revanche, voilà. Et ça je me dis que c'est dans le storytelling de la saison en cours, je me dis que finalement c'est peut-être un mal pour un bien ce qui nous est arrivé, pas par rapport à Vinicius, mais cette défaite au Classico, et que ça a peut-être été l'élément déclencheur qui fait que ce Real va... Bah faire les efforts, tirer dans le même sens. Je pense à Mbappé qui va devoir. J'ai envie de le voir sprinter Mbappé. Voilà. Moi, je veux voir un Chouameni qui s'arrache. Je veux voir un Mbappé qui fait, qui fait du pressing. Je veux voir un Vinicius, un Rodrigo et un Mbappé qui fonctionnent ensemble. C'est ça que je veux voir. Je ne rentre pas la Lune. Je ne rentre pas la Lune. Et, on est, et on, est, on est plusieurs à penser comme ça. Au niveau du calendrier, donc, cette victoire contre Dortmund, moi, à ce moment-là, bah, je pensais que euh, la deuxième mi-temps contre, euh, contre les Allemands allait être un déclic. Finalement, non, t'en prends quatre quelques jours après. Maintenant, il te reste trois matchs avant la, la trêve. N'en parlez pas de cette trêve, j'en ai, ai marre. Mais t'as Milan, Osasuna à domicile, un déplacement à Léganès. Honnêtement, les gars, on peut largement faire trois victoires. T'auras toujours, euh, possiblement, 7 points de retard face au Barça, mais tu limites la casse. Tu limites la casse. Pérez maintenant qui s'en prend à Ancelotti entre guillemets et qui ne comprend pas pourquoi les deux jeunes voient leur temps de jeu complètement diminué. Arda a joué que 292 minutes, euh, Hendrik en a joué que 107 et c'est Rélevo qui nous apprend ça euh, en disant que oui euh, ils sont bons avec les équipes nationales et dès qu'ils rentrent en jeu ils sont plutôt pareils ils apportent un, un petit plus. T'as de la chance d'avoir un banc de touche qui est fourni. Pourquoi pourquoi tu n'en profites pas quand tu vois que le Barça mise sur les jeunes? Pourquoi tu ne fais pas autant quand tu as des problèmes Et ça, c'est vrai qu'Ancelotti, de ce côté-là, j'ai beau le défendre dans plein de domaines, mais avec les jeunes, je ne dis pas qu'il a un problème, mais il, a une, il a une certaine euh, frilosité. Fortea devrait monter en équipe 1. Très bonne nouvelle. Tu le testes pendant deux mois. Si ça ne fait pas l'affaire, tu recrutes à la rigueur à latéral, soit en pré, soit alexander Arnold, soit Pedro Porro. Tu as le choix. Mais là, tu as Arda Güler, qui est un talent générationnel tu as Hendrick. Fais-les jouer quand tu, re, quand tu joues les Ganes fais-les rentrer 20 minutes, une demi-heure quand tu mènes de zéro au lieu de vouloir pousser Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham jusqu'à la 90e. Moi, j'aimerais un monde où si le Real est nul dans les prochains matchs, Ancelotti, vraiment, là, il commence à frapper du poing sur la table, à la mi-temps ou à la demi-heure de jeu, il sort les 3 stars. Euh, euh, Bappé, Rodrigo, euh, Bellingham, Vinicius, vous sortez. Allez hop, et je fais rentrer du Brahim Diaz, du Hendrick, du Harda et, et du Valverde devant. Et là, tu, tu, tu lances un message. Voilà. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, tu as l'impression que tu as des joueurs qui sont complètement intouchables. Euh, et Pérez est en colère parce qu'il est convaincu que le Real a la meilleure équipe de l'histoire du club. Je pense qu'il va un peu loin, il veut une amélioration immédiate, bah, ça nous aussi. Euh, moi je trouve qu'on n'a pas la meilleure équipe de l'histoire Moi je pense que le meilleur effectif qu'on ait eu C'est saison 2016-2017 Quand on fait le, le doublé en Ligue des Champions euh, L'année où on a le maillot violet Où on fait le, le, le doublé Liga Champions League Et qu'on gagne 4-1 contre la Juve on avait clairement deux équipes. Et pour moi, c'était le meilleur effectif. En tout cas, à mes yeux. Vous me direz dans les commentaires. On passe au dossier Bellingham. Bellingham veut retrouver son niveau de buteur. Euh, comme dit Mundo Deportivo, bah, la saison dernière, c'était 13 buts. Et ça, pareil. Je veux dire, je n'ai pas inventé euh, l'eau shot pour vous dire ça. Mais ça se voyait qu'il râlait. Sinon, on le voyait à travers l'écran. Comment se fait-il que qu'Ancelotti attend que ça soit le bazar pour réagir Ça se voit que ce gars-là était le héros l'an passé. Tu ne peux pas passer de héros. Ah, mec, lambda qui se met cataclé à, à récupérer des ballons. Bien sûr que lui, il a besoin de retrouver la lumière. Et, ça, et je ne suis pas du tout étonné. Donc maintenant, il veut retrouver son niveau de buteur. Les dirigeants voient Jude comme l'un des meilleurs joueurs et leader de l'équipe. Très bien, ils enfoncent, ils enfoncent des portes ouvertes. Mais lui, va devoir trouver, d'où la une de As aujourd'hui, un équilibre entre effectivement les tâches défensives qu'il doit effectuer. Lui, comme tous les autres coéquipiers, et depuis le début de la saison, on se rend compte de quoi ben Que c'est lui qui se sacrifie pour le reste de l'équipe, et ça, ça le ronge, et il doit retrouver une certaine liberté créative sur les 2-3 derniers matchs. Jude Bellingham est quand même le milieu de terrain qui a joué le plus bas sur le terrain, alors que l'an dernier, c'était un faux 9. C'est quand même dingue de, 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 de voir ça. Donc j'espère que va réagir, que Bellingham jouera plus haut, parce que son meilleur poste, c'est ce poste de numéro 10, 9,5, mais là aussi, Mbappé est venu tout déséquilibrer. Parce que Bappé. Alors par rapport à vous, euh, ça va être là. Euh, Vinicius jouait là. Bellingham jouait là, mais Bellingham se projetait là. Sauf que tout ça là. Non, euh, tout ça, c'est la zone de Bappé. Donc Bappé, en, en décrochant, vient gêner Bellingham qui se trouvait ici. Mais il vient également euh, gêner Vinicius qui se trouve là. C'est ça le problème. Et si moi je m'en rends compte. Je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas professionnel dans ce milieu-là. Je comprends pas qu'il n'ait pas anticipé euh, le board et, euh, et, fin, et les dirigeants du Real Madrid. En tout cas, à défaut de sourire sur le terrain, il sourit parce que sa nouvelle collection est en ligne. Donc moi, j'ai la première. Voilà, là, aux couleurs de l'Angleterre. Et il y a la noire et jaune, ou or et jaune, qui est pas mal aussi. Je ne sais pas si je la prendrai. Enfin, on termine par deux infos, Mercato. C'est euh, le compte euh, CF Bayern qui nous dit ça. Le Real veut vraiment signer Alfonso Davis. Le club est toujours le favori. Pourquoi je vous partage ça Parce que pour moi, pareil, il y a un monde où on se fait avoir dans cette espèce de cercle négatif dans lequel on est actuellement. Je me dis attention. Pourquoi il n'irait pas au Barça Ancien entraîneur Flick, qu'il connaît. Le Barça club à la mode là. tout le monde leur balance des louanges ils peuvent gagner la Liga pourquoi pas la Champions League Flick a l'air de relancer le club le Barça peut le recruter libre de tout contrat attention pour moi il y a un monde où le Barça vient nous chipper Alphonso Davies donc pareil t'es le Real tu le boucles dès le 1er janvier si évidemment tu te fais piquer Alfonso Davies dossier sur lequel tu es depuis deux ans par ton ennemi juré ça serait un énorme fesco et enfin, dernière nouvelle, puisque là, on est dans l'univers Real Madrid sans concerner le Real, mais Sergio Ramos est proche de rejoindre Boca Juniors. C'est Relevo qui nous l'apprend. Il est à la retraite. Alors moi, je, voudrais, je vais vous donner mon avis. Il n'a pas le niveau pour jouer au Real. Il n'a plus le niveau. Maintenant, il coûte rien. Il connaît le club. Pourquoi tu ne le prends pas comme troisième ou quatrième défenseur ça coûte quoi Pour moi, c'est un péché... Enfin, c'est pas un péché d'orgueil, c'est une espèce d'ego entre Pérez et Ramos. Je pense que Ramos, tu lui dis reviens à Madrid, tu finis ta carrière là, il signe de suite. Il signe de suite pour un contrat bidon. Mais Pérez ne veut pas faire revenir. Il veut pas faire revenir les gens qui partent. Parce que pour Pérez, quand tu quittes le club, bah, tu quittes le club. Tu ne reviens pas. Ronaldo est parti. Casemiro est parti. Ils ne reviendront, reviendront jamais. Même chose pour Ramos. Et quand je vois le niveau de Vallejo, quand je vois qu'on manque de défenseurs centraux, eh... Quand tu reçois Cadiz à domicile, euh, Rayo Vallecano ou des clubs comme ça, ne me dis pas qu'un Ramos, il n'a pas le niveau pour accompagner un Rudiger ou un Militao. Pas déconner. Donc moi, j'aurais été pour, voilà, recruter Ramos pour jouer là les six derniers mois de la saison, histoire après de recruter un autre défenseur l'été prochain. Mais pour moi, ça aurait été une bonne opportunité. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, hein. évidemment. Je ne te dis pas d'en faire un titulaire. Évidemment qu'il n'aura pas le niveau d'un Rudiger ou d'un Militao. Mais pour moi il serait meilleur qu'un Vallejo qui fait complètement paniquer la défense. C'est un championnat qu'il connaît parfaitement. Il a joué à Séville. Pour moi, il avait tenu la baraque. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. Ce n'est pas spécialement des bonnes nouvelles. J'ai l'impression que voilà, on, est, on, on traîne un, un spleen depuis quelques temps où rien ne nous sourit. J'espère qu'on va vite effacer ça. Et que la semaine prochaine, je pourrai vous annoncer des bonnes nouvelles avec cette victoire contre le Milan. Si on ne gagne pas contre le Milan... Je pense qu'on peut s'installer petit à petit dans une crise sportive et directionnelle. Je vous laisse les amis, donnez-moi votre avis dans les commentaires et nous on se retrouve très très vite pour l'actualité du Real Madrid. Comme vous le savez, il n'y a pas de match ce week-end. Je vous fais la bise, à très vite. Ciao